les filles, regardez, c'est le déluge. Regardez la route. C'est un lac. C'est une dinguerie ce qui se passe à Dubaï. Les filles, c'est la fin du monde, je crois. Regardez comment il pleut. Il fait tout noir, les filles. Il fait nuit alors qu'il est 14h52. Aïe! Au secours! Regardez le déluge. Bismillah, faut mettre le Coran à fond là. Non, le parasol, il vient de tomber et tout. Oh, regardez, il y a de l'eau. Regardez le déluge. Les filles, regardez, il y a de l'eau partout. Non, regardez, regardez, regardez. C'est le déluge, les filles. J'ai trop. Regardez, les filles. Oh là là. Regardez. Oh, Rita, it's amazing. Et les filles, elles ont fait à manger. C'est. Regardez, les filles, c'est le déluge. Le déluge, regardez. On dirait un lac. C'est la route, ça. Regardez, les filles. Regardez. Béal m'a dit, ça fait. Les filles, regardez, regardez, mon plafond il s'écroule. Ah, double elle, je t'en ai la gym. Rita, look, look. Rita, is apocalypse. Oulala. Faudra la prière là. Faut prier là. On va crever. Chez moi, il fait tout noir. Regardez, il est 14h. 14h. Mais le vent qu'il y a, la tempête, je vous dis la vérité, ça fait vraiment peur. Ah, le plafond, il vient de s'écrouler. Je suis choquée. Non, mais. La deuxième partie vient de tomber, franchement ça fait vraiment peur. On a ici la pergola qui s'est toute cassée, envolée, tout inondé. Il repleut, on a essayé de rentrer un maximum de choses. Voilà, du jardin également. Ça c'est dans un état. Rester au calme, mon bébé. On va rester ici tranquillement, bien au chaud. Vous entendez là ou pas? Regardez. Oh, il y a un vent. Vous voyez, il y a même les éclairs. C'est une catastrophe. Notre portail, il est tombé. Notre portail, il est tombé. Notre portail. Notre portail. Je suis choquée. Regardez les plantes. Ça fait trop peur. Thank you.
J'ai trop trop peur. J'ai vraiment trop peur. Bébé qui est en train de dormir dans son petit lit. Et ça fait trop peur. Surtout que les fenêtres, je les ai fait installer il n'y a pas longtemps. Et ma phobie qu'elle soit pas bien fixée, ça s'effondre. Je pense pas. Hein. J'espère pas. Mais non, je dois faire des bêtises. Mais je suis terrorisée les filles. Le bruit, il est trop stressant. Et de voir que tout le vent il tape dans ces fenêtres-là, ça fait trop peur. J'ai vraiment hyper hyper peur. Et d'habitude j'aime bien, hein, mais là c'est terrifiant. C'est complètement terrifiant. Elle va déborder. Genre la piscine va. Non, mais c'est choquant. Putain, c'est choquant. Bref, j'espère qu'il va quand même s'arrêter parce que la piscine va vraiment déborder. Écoutez, en tout cas, on n'a pas de fuite, tout va bien. On a une maison bien construite. On est content. On est content. Allez, gros, faire des crêpes. J'ai envie de faire des crêpes, mais je crois qu'il manque des trucs. Bon bah écoutez, on a récupéré un ciel dégagé, ça fait plaisir, voilà, la tempête, les arbres ne bougent plus, il y a un peu d'eau là au milieu, bon bah rien de bien fou, et voilà, et l'eau, mon driver jardinier un peu tout, il s'est occupé de faire descendre, apparemment il y a un truc en bas dans la pompe room qui permet de faire descendre le niveau d'eau. On a le même problème, là ici on avait eu ce problème la dernière fois, on a